On voit clairement sur le terrain de la guerre qu'Israël ne fait aucune réussite sur le plan militaire. C'est-à-dire, ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs militaires. Et s'ils ont réussi à avancer de faire des réussites sur le terrain, ils auront pu, bien sûr, déclarer. Donc, il n'y a pas des objectifs militaires réussis de l'armée israélienne. Il y a une avancée dans les différents secteurs de Gaza, mais concrètement, il n'y a pas de réussite militaire. Et il y a une partie de leur armée, de leurs membres, de leurs soldats qui se sont retirés de la bande de Gaza, qui sont fait un retrait en arrière parce qu'ils sont confrontés à une réponse très musclée par les membres de Hamas.